Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors en ce moment on est au lac de Berne en Suisse. Donc je t'explique, si on est ici, c'est tout simplement parce qu'en fait on fait un road trip jusqu'en Slovénie. Ça va nous prendre quelques temps, quelques semaines. N'hésite pas à t'abonner, comme ça tu pourras suivre l'ensemble des vidéos, l'ensemble du road trip jusqu'en Slovénie. Du coup, ben c'est parti pour ce petit road trip. Allez go! Après une nuit pluvieuse qui a engendré pas mal de condensation dans la Sidvan, nous avons choisi de commencer nos vacances par les gorges de Douane. Ces gorges s'étalant sur 10 km et 400 mètres de dénivelé positif sont vraiment magnifiques. Le chemin est vraiment très sympa à parcourir et les vues sont tout simplement superbes. Pour nous, c'était donc une bonne manière de commencer ces vacances qui, on s'en rend compte, annoncent du lourd. Le lendemain, nous avons pris la route pour le village de Gruyère. Gruyère est une cité médiévale avec un château datant du XIIIe siècle. Nous nous sommes attardés dans les rues de la ville, mais aussi à la maison du Gruyère présentant le Gruyère AOP. Je te laisse découvrir donc la ville de Gruyère. Et pour finir, nous nous sommes plongés dans l'univers biomécanique et artistique du créateur d'Alien, qui propose un bar dans la cité médiévale qui est tout simplement unique. Là du coup on est arrivé à la cascade et à la grotte de Grand Villard, donc on est à côté de la Tuana. C'est donc une rivière qui passe pas loin de Gruyère. Là on a trouvé un petit spot hyper sympa, on a une vue super sur les montagnes qui sont juste derrière. Ensuite on a quelques tables de pique-nique ici, ce qui nous permet, parce que bon voilà, en Suisse à partir du moment où on sort les tables et même une chaise, c'est considéré comme du camping et c'est pas forcément toléré. On va se préparer à manger, on va faire ça bien pour se sentir à l'aise et puis dormir le ventre plein, parce que demain on va faire une randonnée. Et normalement on va jusqu'au sommet de l'Émillier. Donc l'Émillier c'est connu, hein. L'Émillier ça fait un peu penser à la marque de textile, chaussures, matériel de randonnée, escalade, etc. Et du coup demain on te partage tout ça sur la randonnée, ça risque d'être plutôt pas mal. Allez du coup, à demain! Voilà, donc là on est près de Thonon-les-Bains, donc on est revenu en France simplement parce que demain on va voir des amis. Et ça nous permettra aussi de faire le plein d'éthanol, parce qu'en Suisse il y a de l'éthanol mais il est assez cher. Et ensuite de faire quelques petites courses aussi, parce que bah, les produits en Suisse sont aussi assez chers. Bon là le temps est assez gris, mais regarde quand même parce que franchement ça vaut le coup. Je pense que avec par beau temps c'est un spot qui est vraiment idéal. Donc on est dans une station de ski. Je pense qu'on est environ à 1700 mètres. Et du coup regarde rapidement.
Demain, on va à Chamonix. Mais la prochaine étape, vraiment, c'est donc je crois que c'est le pic de Cervin, on dit comme ça. Donc un endroit en Suisse, et en fait, autour de ça, il y a 5 lacs. Donc on va aller voir ça. Je te dis, demain, je pense pas que je vais filmer. Du coup, je te dis à après-demain, quand on va filmer le mont Cervin. Allez, bonne nuit à toi! Actuellement, on est à Schweidernen, c'est juste en dessous de Randa, Tash et Zermatt. Et on est sur une aire de repos, mais super sympathique. C'est vraiment un spot génial pour. Il y a tout confort. Il y a des tables de pique-nique, il y a des barbecues, des jeux pour enfants. Il y a une ancienne scierie, enfin, je pense que c'est une ancienne scierie à eau. Il y a la rivière qui coule juste à côté. Du coup, je vais te montrer les lieux parce que peut-être que si tu fais un jour le même road trip que nous ou quelque chose qui ressemble, en tout cas, si tu vas au Mont-Cervin, ici c'est plutôt top. La voiture, ok, ne sera pas super bien garée pour la nuit, mais en attendant, en fin de journée, ben, pour se poser ici, c'est super calme. Du coup, je te montre tout ça et demain, on part pour 2 jours de randonnée. Il va y avoir pas mal de dénivelé. On va dormir en bivouac, on va partir avec nos gros sacs, du coup, plus remplis que sur la randonnée à Gruyère, bien sûr. Ce qui va donc nous éviter à la fois de prendre les télécabines, de prendre le train, etc. Ça va nous prendre certes plus de temps, mais ça nous permettra aussi de nous imprégner beaucoup plus de l'environnement. Ça va nous permettre de profiter un maximum, même si, voilà, il risque de pleuvoir fortement. Mais on verra bien. Je te montre tout ça et j'espère que le Mont Cervin, c'est quelque chose qui va vraiment te plaire. Allez, c'est parti! Le Mont Cervin, connu pour son utilisation de logo par une célèbre marque de chocolat, est le 12e sommet le plus haut des Alpes. Ses 4478 mètres d'altitude et son aspect pyramidal le rendent unique, fantastique et puissant. Il est situé à la frontière italo-suisse entre le canton du Valais et la vallée d'Aoste. Et il faut savoir qu'un GR en fait le tour. C'est peut-être quelque chose qui sera à faire à l'avenir. Cette journée de randonnée nous a pris pas mal de temps. Les 1400-1600 mètres de dénivelé positif nous ont permis d'atteindre un point nous rapprochant du Mont Cervin. Sur le chemin, nous sommes passés par des régions vertes, des pistes de ski et de la bonne roche de montagne. Les marmottes, les panoramas, les vues sur le glacier au loin ont rendu cette randonnée extraordinaire. Elle était vraiment à couper le souffle. Nous étions vraiment seuls, le bâtiment de la télécabine était totalement vide. Les lieux semblaient totalement abandonnés. L'ambiance des 3000 mètres d'altitude nous laissait un peu inquiets. Il a fallu monter la tente sur la surface dure, caillouteuse, et il fallait obligatoirement un endroit coupé du vent. C'était d'ailleurs une nuit gelée, venteuse et pluvieuse qui nous attendait. Mais la beauté du site ne pouvait que combler la rudesse de la nuit. Tu vas le voir juste après. Et le lendemain, comme prévu, le soleil a fait son apparition et le spectacle était réellement grandiose. Que dire sur la puissance que la montagne dégage dans nos âmes et dans nos corps? Je te laisse admirer.
C'est maintenant la fin de cet épisode. J'espère que cette première partie t'a plu et vraiment tu verras, les prochains épisodes annoncent vraiment du lourd. On est vraiment impatients d'arriver en Italie et en Slovénie. Je te remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère que les endroits qu'on a filmés t'inspirent aujourd'hui. N'hésite pas maintenant à mettre un like sur la vidéo, à poser tes questions en commentaire ou sur mon Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine et ciao.